Alors, qui est-ce qu'on va faire en premier? Ah, oh, j'allais faire les quêtes secondaires en off. Bon, allez, on va commencer par... Seanator Shogun. Drôle de nom. Et lui, bizarrement, je pense que des armes électriques auraient fait l'affaire, en vrai. C'est un crusty crab, on est d'accord. Et juste bleu. Le bleu, ça signifie que c'est plus rare. Donc, techniquement, c'est meilleur. Ah, en tout cas, pour l'instant, depuis qu'on a commencé le jeu, on est mort une seule fois. Une seule fois. Le XVSK, il gère sous Monster Hunter Rise. Hein. Pas déconner, hein. Comparé à World, où est-ce que je pue du cul. Allez, il y a bien des joueurs qui le font, non? Allez. Parce que les serveurs sont floudés. C'est peut-être pour ça qu'il faut attendre un peu plus. Et il y a forcément des gens qui le font là. Vous allez pas me dire que je suis seul maître rang 3 là. Ouais, bordel! Bon, personne ne le fait, je lance la quête moi-même. Il y aura bien quelqu'un qui viendra me rejoindre. C'est moi la participation. Allez, let's go! あるはずのもの。それは打ち負かした者の骸ではなく、代わりに唸って捨て去られし鎧。再び新たなる的を見つけたならば、捨て置くことなど考え及ぶはずもなく。 Ah, c'est pas Krabi. Ce n'est absolument pas Krabi. Ça ressemblait plus à un scarabée. Un scarabée aquatique. Un squatique. Bon, allez, plus qu'à espérer que quelqu'un me rejoigne maintenant. Alors. On va prendre un max de ressources. Non, ça aurait pas une montre religieuse. Quoique. Une montre religieuse avec une carapace. C'est concept quand même. Hein. Alors toi, non. J'ai pas envie de t'affronter, c'est mort. Mauvais souvenir de toi. Alors comment on remonte encore? Ah, par là-bas. Fais que passer Toby, t'inquiète. Prends un petit peu de matos. Oui, autant que tu veux, je m'en fous, je me casse. Aïe! J'avais dit je me casse! Tu m'intéresses pas, Toby. Retourne jouer avec sa suc. Bon, ça devient dangereux, hein, toujours personne, hein. Mokyo hakken.
Ta gueule! Et ça va encore un de ces monstres qu'il va falloir taper en frontal. Vous allez voir. Gueule, on oublie, il ressemble quand même grandement au crabe qu'on avait affronté la première fois. Hein. Ouh, ça fait mal. Je l'ai pas vu venir. Ah, quelqu'un est arrivé. Wouhou. Ah, le bâtard. Je sais que je suis con dans le gaming, mais quand même. Oh, dire. Attendez, vous allez me dire que c'est le crabe juste post-skinné, quoi. Ah, il fait super mal. Oh non, je saigne. Ah, lui il est dangereux. Bon. Ouais, je sais pas, il me faut une peau de pierre. Sérieux? Oh là là, mais il va me saouler lui. Mais c'est une blague, là! C'est quoi, ce monstre? Et là, je peux l'attaquer que par devant? Ah, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être... Quoi? Mais quoi? Oh, il est hard, lui. Oh, il est hard. Je vais attaquer par derrière, en vrai. Que ça va... J'arrive quand même, il fait des dégâts malgré sa carapace, donc c'est cool. Oh, parfait! Non, pas parfait. Allez, je vais me venger un petit peu, là. Mais c'est qui m'a mis un coup dans le dos là? Mais c'est Toby qui me fait mal. Lui il est costaud. Mais quoi? Mais vous avez vu la portée de ces... La portée de ses bras, mais... Mais elle est insane!
Ah, tu vas moins faire le fier maintenant, petite salope. Hein? On a plus de carapace maintenant, hein? Fais-moi le fier. Oh putain, mais en plus c'est dégueu le truc qu'il y a derrière. Regardez-moi ça, c'est dégueu. C'est moche. Non. Oh merde. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Ta gueule, espèce de vieux Pokémon de merde! Il est où? Oh, pas moi, s'il te plaît. Pas moi, pas moi. Ah, oh, mais c'est barré. Ah! Tant mieux si c'est barré. Je vais pouvoir retourner au camp. Je vais aller chercher des potions. Qu'est-ce que c'est que ce mob? Finalement, je regrette un petit peu de pas avoir affronté l'autre. Allez, Bobby, on y va! C'est moi qui voulais du nouveau monstre. Celui-là a l'air plus relou que l'autre, quoi. Je préfère King Kong, hein. Non, il s'est refait une nouvelle carapace! Je m'étais fait chier à lui péter! Putain, mais c'est qui m'arrête pas de me taper là? Eh bebe. Ah. Chiant ce mob. Mais c'est quoi qui m'a fait mal là? Il m'a poussé, d'où je perds un quart de ma vie quand il me pousse. Ça, il fait que me pousser. Pourquoi je prends des dégâts quand il me pousse? Mais il fait quoi là, Robert? Robert, qu'est-ce que tu fais? Attends, on casse ta coquille, après promis, on ira te vendre à un marché poissonnier coréen. Je suis sûr qu'ils voudront bien te bouffer le cul. Non mais il s'est encore barré, c'est une blague. C'est quoi ce mob? Il est en train de péter un plomb là. J'ai pris le mauvais chemin, putain, quel tub. Comme toi t'es tub les gens si vous voulez, c'est gratuit. Allez, je fonce dedans. Mais... Il me rend dingue, hein. Mais... Et allez. SFA, que ça tombe sur ma gueule, quoi.
Sérieux, réduisez la taille de cette patte là. T'as une box, elle est dégueulasse. T'es encore barré? Oh, c'était stylé ce que je viens de faire! Ah, punaise, à cause de moi, on va avoir moins de points, quoi! D'ailleurs, en tout cas, je veux pas le refaire, ça c'est sûr, hein. Mais non! Mais c'est une blague! Vous avez vu ça? Maintenant son truc arrière il balance de la flotte! Ah. Ok. Je n'ai pas pigé. Apparemment, elle a fait tomber. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu son état comme quoi il était mourant. Comment est-ce que les gens font? Oh là là! Oh, il était cancer ce mob! Eh ouais. Je ferai pas tous les jours, c'est sûr. Et passe à l'occasion. Là, je suis passé. Au revoir. Oh là là. Bon, on va aller faire un mob un peu plus simple, hein. Allez. Ah, quoique, attendez, j'ai même pas regardé. Amulette de défense, je l'ai déjà. Amulette de force, je l'ai aussi. Y'a pas d'autres amulettes? Apparemment, non. Alors, qui est-ce qu'on peut taper? Allez, Gosarag, lui. Lui, il est easy, techniquement. Je dis bien techniquement, hein. N'êtes pas à l'abri d'une connerie de ma part, hein. Il est 22h40, tout le monde est parti se coucher sur le jeu.
Ah. Quand tu veux, ma gueule. Vraiment personne? Bon, il est pas dur, lui. Ok, vraiment personne. Bah ouais, je vais la lancer tout seul, hein. Il y aura bien quelqu'un qui va me rejoindre. Dis bien. Oh! Toki wo kasane. Ima to natte wa hanzen to senu. Kono chi no ri wa. Semeru mono ni totte no ri to naru mono ka. Arui wa. Semerareru mono ni totte no ri to naru mono ka. Ok, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a eu un truc ici alors qu'on a on est déjà venu dans la zone. C'est quoi ça? C'est creepy ici. Ah, il y a des aliens dans ta chambre. Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, chérie? Brûle-les. Brûle-les au nom de Satan. Oh, c'est une blague. Merci. Vous avez moi. C'est ma faute, j'avais pas vu tout à l'heure. Je vois pas le rapport, hein. Je te signale que t'as parlé en première d'araignée. Hein. J'espère que t'as pas une invasion d'araignée chez toi. Ouf. D'accord, donc quand il tape le sol, ça fait une onde de choc maintenant. Ouille. Non, tu peux brûler la maison, hein, chérie. Je sais pas s'il faisait ça dans la version Rise normale, mais il a l'air vachement plus dangereux, hein. Hein? J'étais pas dans sa range? Pour te déconner, là.
Putain, ce coup gratuit que j'ai pris là! Ouais mais sérieux les gens, arrêtez de me taper quand je saute quoi. Bien que vous faites exprès. Arrêtez de me... Allez viens. Oh bordel. Et Noisy Boy. D'ailleurs, Noisy Boy, ça veut dire garçon bruyant. Jamais. Je vais t'avoir. T'as pas la ref, poulet? Ah non, c'est pas possible que j'ai pas la ref, écoute. Hein. Tu peux toujours essayer de me faire comprendre la ref, hein, mais... Mais t'attends pas à des miracles. Wow. Oh merde. Bobo baston. Ouais, effectivement, je n'ai pas la ref. Quoique, attends, Robot Baston, c'était pas le film avec Hugh Jackman? C'est ça ou je me gourre total? Oh mais il est sérieux? Un seul coup. Allez, meurs. C'est des gros nounours. Allez, tout fait tout frais là. Super content. Oh là là, non, 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 rêve là. Tu me l'as fait une fois, tu me la feras pas deux. Endurance. Yatsuga! Aucun rapport. Ok, parce que... En ce moment, je suis en train de refaire tous les Shippuden, là. Baston de monstre! Eh bah c'est sérieux, bah si. Ah
Ah mais non, ça va, t'es 42e mois là. Non mais, mais parce que je vais faire. Mais allez, il m'a eu. Je dis, je veux plus me faire avoir par cette attaque de merde et je me fais avoir quand même, quoi. Putain. J'étais tellement en train de le bourriner que je pouvais plus rien faire, quoi. Je pouvais même plus me faire une esquive. Et je commence à sentir que le stuff commence à devenir nécessaire. Donc je sens qu'il va y avoir une session farm. C'est pas en live, ça c'est sûr. Ah, sinon le stuff aura bien tenu quand même, hein. Prendre des potions moi avant de revenir. Oula, ça va, c'est moi qui visais. Ah, ils vont le capturer. Pourquoi je fais ouf? Il était simple. J'ai juste mort bêtement. Du coup, il nous en reste un à faire là. Si vous me dites qu'ils ont rajouté genre 5 mobs pour extension, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Oh non, Belsi, t'as pas fait ça. T'as pas mis le chat en émoticône. Ah, Belsi. Ah, désolé, chat. Hein. Bon vouloir à Belsi. Ah, quoique. Ça n'a pas marché, si. Allez, on va s'en faire un last. Ah, le Bariot, il est quand même dangereux. Hein. Ça a pas marché, sérieux. Et coucou Duns. Ah, c'est de la grosse merde, ça a pas marché. Euron. Vous avez bien qu'il n'y a personne pour le Bariot. Ah ben voilà, Duns il a réglé le problème. On va parler en mode chat, en mode émoticon uniquement. Bonne merde les gens. Et comme d'hab, ça trouve pas. Voilà, je préfère le bar, regarde ça. Les VIP et Modo passent à travers, je crois. Ouais, c'est fort possible. Ça se trouve, ça a été activé, mais vu que...
Mais non, Belsie est même pas VIP. Elle va dire comment je suis pas VIP? C'est quoi ce vol? C'est quoi ce mensonge? Connasse. Ah bah Shika, elle a réussi à marquer elle. Au pire, jouez le jeu, hein. Mettez-vous en mode... Oh non 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 non. Oh, allez. Et comme par hasard, c'est moi qui prends le coup de queue, hein. Il est sérieux là? Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà pourquoi je le déteste, lui, punaise. Lui, bizarrement, ça passe tous ces cris, hein. Parce que sinon, tous, tu te mets quand à Monster Hunter? Et là, tout le monde va dire dans le chat: non, ne le mettez pas à Monster Hunter, sinon il y aura encore plus de Monster Hunter sur la chaîne. Ouais! Mais ouais, c'est ça, touche. Mais arrêtez de me. Ouais non, quel con! Il est mal placé, mettez-le dans l'eau! Mais allez, vas-y, un de mes potes, il a mis un coup et je suis tombé. Bah techniquement, Toons, il a la version DC de FF14, hein, c'est juste qu'il s'y est pas encore mystérieusement. Sérieux, ta tonne que je prends! Va falloir que j'arrête là. Ah, va falloir que je farme là. Mais! Eh, dis-moi que t'es intelligent mon gros. Oh. C'est quoi, chérie? J'ai juste un logo de peinture. En même temps, je crois que le... Ah oui, en fait, tu peux pas être VIP si t'es modératrice, chérie. Je suis encore empoisonné, mais c'est une blague. Ah, si tu veux que je te mette VIP et que je te retire ta petite modo, tu me le dis, hein, chérie. Je sens que ce combat va mal se terminer pour moi. En plus, je sais pas pourquoi j'ai un coup de barre là. Je peux pas regarder ton message actuellement, chérie, si jamais. Hein.
fuite encore. Et tu veux bien mourir. Même si je sais que ta masse PV de base. Mais c'est une blague là! Ah, ben ça c'est parce que je lui ai mis. Ça allait faire joli sur ton profil. Tu es une artiste, chérie. Pourquoi tu dis que c'est injuste, Hippie? Ce qui est injuste, c'est que j'ai la dalle là actuellement, tu vois. Et que personne ne m'a encore offert un McDonald's. Du coup, je me tâte à aller me faire des nuggets de poulet après le stream. Sinon, je crois que Chéri il est plus abonné, hein. Ouais, je vérifie si le si l'icône de d'artiste prend le pas sur le sub. Juste. Bon, tu veux bien mourir? On va faire le musée de la bière cet été. Ok. Il est où le musée de la bière, juste pour savoir? Il est pas en Belgique, je pète un plomb. Gueule, bien sûr. Ah, le musée de la bière est à Amsterdam. Ouais, pas. Ouais, pour le coup, ça tombe bien. Nique-toi bien fort, le monstre.
Oh, ce monstre, il est tellement pas fun à affronter, il est tellement chiant comme la mort, il fait péter des plombs là. Ah, il est presque mort. Ah, ils vont me capturer. Apparemment, il est pas ouf. Ok. Oh là là. Trop stressant, ce boss. Ah oui, du Darinoken Experience, oui, c'est de la merde, ça c'est sûr. Darinoken, c'est de la... c'est dégueulasse, ça. La bière des pauvres. Et là, vous allez me dire, ah ben non, elle est chère, Darinoken. Non, non, c'est la bière des pauvres. Barry, à du nouveau. Quoi? Tu as appris quelque chose? Dis-moi. Ah, tu es trop impatiente, Fio. Il faut que tu apprennes à ralentir. Tu ne pas foncer... Quoi? À chaque fois. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'ai planifié l'échantillon de Garangolm. Mais avant toute chose, dis-moi la vérité, Fio. Que penses-tu de tout ça? Dès le début, il y avait des trucs bizarres. Les Garangolm sont timides. Alors sortir du royaume, attaquer... Bon, d'accord, c'est un des trois. Mais il est de nature calme. Ce n'est pas une créature agressive. Le comportement des monstres peut changer, c'est sûr. Mais il y a toujours une raison dans ce cas. Après avoir regardé l'échantillon... J'ai étudié la bête de plus près, et j'ai découvert un truc étrange. Des petites blessures sur tout le corps. C'est une créature active, pas étonnant. Ça suffit, les interruptions, tais-toi et écoute. Les blessures ressemblent à des morsures faites par une créature bien plus petite. Mais je n'arrive pas à les identifier, leur forme, leur composition ne correspondent à rien. Tu vois où je veux en venir? Tu penses à ces créatures étranges qu'on a vues l'autre jour dans le ciel? Et absolument, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que ce sont elles qui ont influencé l'agressivité du Garangolm. Comment pensez-vous, amiral? On pourrait en attraper un? En parlant de ces créatures, elles ont été repérées près du gnagnagna dans les plaines de sable. Tu pourrais t'occuper de ce gnagnagna pendant que je capture une de ces créatures, Anilia? Oh là là. Je veux dire, je suis pas sûr que vous puissiez les capturer. T'en prie. Alors, Anilia, tu t'en attaques pour chasser un gnagnagna aurore? Ouais, bah à part faire dodo, c'est tout ce qu'on va faire pendant ce combat.